example, for all public holidays, because right now we have two flights coming from the Sunday. If you look at the data, for example, if you look at our arrival from Saudi for the first quarter of 2020, they were huge compared. Of course, they were not like higher, but they were higher than the previous one. Now, looking at the last slides, again, this is relevant to Mauritius because we have very key manufacturing industry in Mauritius, and it's a big opportunity to contribute from the global spend on clothing, which represent, which is 5. Halal awareness is very important because if we start to do this homework, everybody starts talking about halal, raise the awareness, we need halal food, we need halal products, then it starts to be widespread. And it becomes easy for people to practice Islam. Now when we go to the how, we will see how the model of raising our awareness takes into account the fact that it is easy and available. Pour le moment, l'application est pour free of charge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne qui peut downloader en ce moment le Google Store. L'idée, c'est que le pays mette cette application pour la communauté musulmane dans l'île Maurice. Et même s'il y a quelqu'un qui peut voyager et venir en l'île Maurice, de la maison de la musulman qui peut venir Maurice, peut venir passer congé Maurice. Et l'application, l'idée de l'application, c'est que nous connaissons le 3 certification bodies dans l'île Maurice. Et nous pouvons prendre un certificat, nous pouvons mettre les load apps, alright? Et aussi ben, importer. Ça veut dire si vous êtes Mauritien ou intéressé pour connaître si votre produit halal, download the apps, ou load the apps, vous ne pouvez pas vérifier si ce produit-là est halal ou non. Et pas juste ça, nous pouvons une étape plus de ça, nous pouvons coordonner avec ce certification bodies là, pour nous permettre un QR code. Alors, nous pouvons un QR code dans le restaurant, pour être capable de scanner le QR code et de gagner l'information là, within their fingertips. C'est ça l'idée générale du apps. Et plus tard, comme le apps, il est tout le temps pour évoluer, nous pouvons avoir des autres features là-dedans qui peuvent venir dans les apps. Parce que l'industrie de halal aujourd'hui n'est pas qu'on dise le manger, nous pouvons disons un produit comme cosmétique, nous pouvons avoir un produit comme pharmaceutical, nous pouvons avoir un produit comme fashion. C'est pas seulement musulmans qui sont intéressés avec halal. Les musulmans, aussi bien qu'ils non musulmans, sont bien intéressés avec halal parce que halal c'est une chose qui nous tire un 10 ans dans les animaux, maximum 10 ans. Et les autres communautés aussi sont intéressées avec ça. Nous pas donner un certificat halal parce qu'il y a 3 bodies déjà dans l'île Maurice qui donnent un certificat halal. Nous laissons simplement faire une app que les gens sont capables de vérifier quand ils rentrent dans un restaurant si ça, les restaurants là sont produit du halal, on ne veut pas halal, on ne veut pas seulement de nourriture. Il y a beaucoup de cosmétiques qui nous amènent de l'extérieur, qui musulmans servent.